Nous avons signé le premier accord en Afrique pour lutter collectivement contre la désinformation. Et avec notre soutien du secteur de la justice, nous encourageons la consolidation de l'état de droit. Ensemble, nous bâtissons des institutions solides. Et pour élargir la prospérité partagée, nous sommes les champions pour le secteur privé et pour l'entrepreneuriat, afin de créer des emplois, surtout pour les jeunes. Par la signature de trois accords stratégiques dans les domaines de la conversion opérationnelle entre les armées et le pays, l'application de la loi maritime, la lutte contre la manipulation des formations par les États étrangers. Je voudrais saluer la mise en place de ces partenariats juridiques destinés à apporter des réponses appropriées aux problématiques de la désinformation de la menace terroriste et de la piraterie maritime. Madame l'ambassadeur, mesdames et messieurs, au regard des nombreuses potentialités dont engorge la Côte d'Ivoire, notamment en termes de ressources agricoles, de minières, pétrolières et touristiques, conjuguées avec l'environnement, les affaires assainies et la stabilité politique, et la confiance que le gouvernement et le peuple ivoirien témoignent, et qu'à travers votre attachement de personne, ils portent à la nation américaine aujourd'hui en France. En vous réitérant nos chaleureuses félicitations, je vous renouvelle l'entière disponibilité du gouvernement ivoirien à explorer en concert avec les autorités américaines tous les champs de coopération visant au raffermissement et à la diversification des relations entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire, afin que se réalise le slogan Champions unis, gagnons ensemble. Vive la coopération ivoiro-américaine, je vous remercie. Ceci est la fin de la cérémonie officielle, mais nous avons encore de nombreuses surprises pour vous.